la place habituelle, l'hôtel de ville et la fontaine Renaissance. C'est typique à tous nos villages alsaciens. Un joli site, comme vous pouvez voir. Ce bel hôtel. Maintenant, nous arrivons à la maison où Claude a rendez-vous avec un propriétaire viticole. Et là, comme bien entendu, on goûtera le vin d'Alsace. Et nous voici maintenant, c'est le cinquième jour, et la première visite est pour l'église abbatiale de Bernmünster. C'est un petit village de moins de 500 habitants. L'intérieur est superbe. C'est la plus belle réalisation du baroque en Alsace au début du XVIIIe siècle. C'est lumineux et la gaieté du décor peint et stucqué compose un cadre raffiné. C'est rare d'avoir cette luminosité dans une église. Nos amis écoutent attentivement le guide, malheureusement sa voix n'est pas audible. On peut remarquer au-dessus l'orgue d'André Sibelmarn qui est de 1732. C'est certainement un des plus beaux de la région. Admirable, n'est-ce pas? Malheureusement, ce guide parlant entre ses dents, comme moi d'ailleurs, il n'est pas facile de le comprendre. La visite se poursuit. Et on s'arrête à Sanson Portechère, qui est la fin du 17e. Regardez la finesse de la sculpture. Les stalles importantes nous impressionnent. Elles sont remarquablement sculptées. On va se rapprocher un petit peu et on va voir la finesse de cet art. Et on va en soi d'un pas léger, commente toute cette découverte du baroque avec un sens aigu de la mise en scène, propre d'ailleurs à cet art. Un dernier regard pour cette très belle église. Et cette rivière paisible pour rejoindre maintenant Dambach la ville, sur la route des vins. Village vigneron par excellence. Toujours avec ses belles maisons, son église. Clocher pointu, et puis bien sûr la fontaine très fleurie, et puis dans les cours intérieurs des vignerons, déluge de fleurs aux fenêtres et balcons. Nous arrivons à la propriété de monsieur Ruhlmann, très belle maison d'ailleurs, très haute. C'est coquet. Et derrière cette fontaine, l'entrée des caves. En plus, voilà, je veux dire, le rentre dans la cave, puisque mois de décembre, c'est des fois plus agréable de travailler à l'intérieur. Et déjà, ça m'empêcherait de tout nettoyer à la fin des vendanges. Et le petit train.
On a 7 sortes de pieds de vigne, donc parallèlement, on a 7 différentes sortes de vins. Une autre particularité, c'est que ce vignoble est exclusivement de vins blancs. Je m'explique, on a les 7 cépages, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Tokay Pinot Gris, Muscat et Gewürztraminer qui sont blancs. Et puis le Pinot Noir, c'est le raisin que vous voyez sur votre droite. Là, c'est également bien ici la cathédrale de Strasbourg. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est pris un petit peu dans la brume, mais en général, cette brume est signe de beau temps. Alors espérons que ce soit le cas. Même les vignes centenaires, c'est que ça. N'est pas ton âme. Ouf, c'est fini. Bien content de descendre. Et en deuxième étape à la cave pour faire une bonne dégustation des vins blancs d'Alsace. Ça, c'est la deuxième propriété de Monsieur Hohnemann. C'est la partie commerciale de son exploitation. Tout le monde est attentif. Et ces tonneaux étaient irrécupérables. Et c'est pour ça les trois façades de tonneaux. On partira en cercle. On repartira à pied sur le port. Bah oui. Vous montez la porte et vous tombez sur Diefenthal. Voilà. Et là, il n'y a jamais de gendarme. Cet après-midi, on a. Voilà, entend. C'est le nom. Manet Riesling, c'est la moitié du vignoble hein, par rapport aux 7 cépages. Hein. Et le... Mais s'il y a beaucoup de Riesling en Alsace, le Riesling aussi le cépage qui est le plus planté au monde. Parce que l'Allemagne, c'est beaucoup de Riesling. Dans les pays de l'Est, il y a du Riesling. En Italie, il y en a. En Australie, il y en a. En Afrique du Sud, en Californie. Dans toutes les grandes régions viticoles de vin blanc, on retrouve. Retour de Strasbourg, une dernière visite au village d'Itterwiller. Joli village alsacien, très classique, très fleuri bien sûr, mais celui-ci peut-être un peu plus beau que les autres. Cet ensemble est magnifique. Et cet hôtel, délicieux. Et voici notre dernière vue des chambres de cet hôtel. Voilà, c'est terminé. Ce séjour est organisé par Elga et Roger du 1er au 8 septembre 2001. Les participants. Ces images nous rappellent un excellent séjour qui ne demande qu'à être renouvelé. Au revoir.